santé, alléluia, qui protège les familles, qui sauve dans vous, qui porte Jésus-Christ. Amen. Salut à vous qui va pour tout la matin. Bienvenue dans la place. À la gloire de Dieu. Si content, ouais, dans la place. Que mon Dieu bénisse, alléluia. Que puissance, mon Dieu, capable de verser sous. Que grâce, mon Dieu, capable de verser sous, ma mère. Alléluia. Commencez à frapper, mais frapper, mon bon enfant. Gloire à ton Seigneur. Amen.
pour Jésus. Royauté, c'est pour Jésus. Oh oui, puissance à toi, Jésus. Qui pourra
Contre l'emploi et la médic, bon Dieu, ça n'a pas servi. Il n'y a pas qu'à comparer. À tout cœur, oui, pour dire ça, pas parce que je dis ça, non. Gardez la vous dit bon Dieu, m'a servi. Et pour bon Dieu, comme chante à comparer. Alléluia, celui qui était, celui qui est, et celui qui sera. Frappez-moi pour lui, alléluia. Lui-même qui c'est El Shaddai, Adonai, Yahweh. Alléluia, d'éternité en éternité. Tu es Dieu, amen. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Parce que c'est mon Dieu. Nous faisons la guerre nous-mêmes. Nous faisons salver avec nous. Est-ce qu'on a commenté? Balancez mon poids, abandonnez la vous balimaté. Pendant sous l'autel divin. Remettre la vous balim. Dis mon Dieu ça. Mon Dieu qui vient tout pouvoir. Mon Dieu lui-même qui forme, il compte toute la gaille de où. Pas de rien de la foule qui cache pour lui. Dis qu'on tout de mettre la foule à l'immatin. Alléluia. La grande amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Abandonne. Abandonne ta vie. Tu souverain, heureux,
de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu fais ton côté attaché à la croix pour nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous remercions Seigneur après-midi ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour privilège et honneur, Seigneur. Nous capables là, au nom de Jésus de Nazareth. Recevoir adoration nous. Recevoir. Recevoir adoration nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fil de vos Seigneur. Pour nous demander grâce, Seigneur. Pour nous demander grâce, Seigneur. Dans la vie, nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Pour nous capables d'avancer. Non seulement avancer personnellement, mais nous capables de grandir, Seigneur. Financièrement, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, parole ou dit Seigneur, la Genèse 13, le verset 2, au nom de Jésus, ou dit parole ou dit que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Seigneur, nous prions depuis ses lors, depuis ses cailles, depuis ses richesses. C'est pour nous suivre tabernacle de gloire au nom de Jésus. Même Jean où tu es fait pour Abraham. La Genèse 13, le verset 2, au nom de Jésus. C'est pour peuple tabernacle de gloire. C'est pour nous très riche au nom de Jésus. C'est pour nous des richesses. C'est pour l'or, c'est pour bête, c'est pour caille, c'est pour richesse. Suive-nous dans le nom de Jésus. C'est pour toute richesse qu'on vient pour tabernacle de gloire. C'est pour nous suivre au nom de Jésus de Nazareth. Tout diable racial qui bloque richesse, tabernacle de gloire, au nom de Jésus, n'a cassé mes eaux, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour nous contribuer dans tes œuvres, au nom de Jésus. Côté richesse, moun qui kebe, bénédiction nous, qui kebe richesse, tabernacle de gloire, nous demander, au nom de Jésus, que le feu du ciel boule haut, au nom de Jésus. C'est pour peuple, tabernacle de gloire, fais même chant. Peuple Israël là, t'es fait, les Moïse, t'as bâti, tabernacle là, au nom de Jésus, c'est pour nous si tellement, beauté, richesse, c'est pour aller au-delà de richesse que nous besoin, c'est pour nous aller au-delà, même chant, peuple Israël là, t'es beauté, trop l'or, trop l'argent, au nom de Jésus, c'est pour tabernacle là, aller au-delà, au nom de Jésus, de nos besoins, aller au-delà de nos besoins, au nom de Jésus. Fais ça pour nous, Seigneur. Agis en faveur nous, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Abraham était très riche en troupeau, en argent et en or, Seigneur. Même Jean, nous, c'est petit Abraham, c'est descendant Abraham, Seigneur. C'est pour toute l'or, toute richesse, toute caille. Suive tabernacle de gloire au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. On dit gloire, on dit gloire, on dit gloire. Nous allons saluer tout qui est nous. On a commencé avec T.J. Port-au-Prince. On bat au plat mais pour T.J. Port-au-Prince. Alléluia. On salue T.J. Cap-Haïtien. On salue T.J. New York. Et nous avons un gros plamé pour toute maison de prière New York qui au Canada. Maison de prière New York qui à la Guyane française. Alléluia. Nous sommes capables de chita en présence de mon Dieu. Nous voulons rappeler que après le message là, nous avons recevoir tous visiteurs, tout le monde qui visite Tabernacle de gloire pour la première fois. Donc après service, nous prenons un petit temps pour nous capables d'honorer la présence dans le tabernacle de gloire. Donc on nous allons passer une autre partie dans le service là. Nous allons offrir bon Dieu, offrande nous. Nous avons demandé au service d'accueil pour être capables de passer des enveloppes pour l'offrande. Et ou même quand regardez nous online, peut-être regardez nous sur YouTube. Nous avons un lien en bas qui marque offrande, offering. Vous êtes capable de cliquer là-dedans et vous êtes capable de joindre un moyen pour faire offrande. Et si vous regardez nous sur Facebook, vous avez un bouton bleu que vous êtes capable de cliquer ou bien peser. Ça dépend de qui tu vas regarder nous pour capable de faire là tout. Et si vous regardez nous sur le site internet, shekina.fm, vous avez un bouton rouge sur la main gauche que vous êtes capable de cliquer et vous êtes capable de faire une opportunité, une façon pour capable de faire offrande.
dans le nom de Jésus. Et si vous regardez sur l'application, nous, qui a un bouton cœur, un icon cœur, que vous êtes capable de cliquer sous lui, que vous êtes capable de toucher, et là, maintenant, nous avons une page pour vous capable de faire offrande après-midi. Donc, ou même qu'à bail offrant nous là, qui ont parti l'enveloppe là, qui ont capable de mettre requête de prière ou, qui sont à remettre bon Dieu fait pour vous, et même qui sa bon Dieu fait pour vous, ou voulez remercier bon Dieu pour ça le fait pour vous, que le répondre avec prière ou, ou capable d'écrire ça dans, en haut dans l'enveloppe là. Donc, ou même qui pas gagné une façon d'internet ça yo, c'est sur radio attendez nous, ou capable relayer nous sur le 786-505-1580. 786-505-1580, soit poutez nous sur 93.1 HD3, ou capable de numéro ça, 786-505-1580, et soit poutez nous sur 94.3 dans Miami, ou capable de nous tout dans numéro ça, 786-505-1580, et soit poutez nous à Port-au-Prince, d'Haïti, ou capable de numéro ça tout, 786-505-1580, pour capable d'offrir nous à l'Éternel, pour ça l'Éternel fait pour vous. Pour capable bénir nous et exalter nous à travers offrande. N'a pas quelques minutes ou bien quelques secondes alors pour capable remplir ou bien forme sur internet ou bien là si ou avec nous avec enveloppe ça pour nous capable prier après ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On baisse la tête dans la prière. Seigneur, nous remercions, Seigneur, pour offrir ça, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Encore une fois, Seigneur, parole, dans Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, Seigneur. Seigneur, offrande, Seigneur, que nous parlons la Seigneur. Multipliez-le pour nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous demandons grâce au Seigneur. Même j'en t'ai fait le papa, nous, Abraham, Seigneur. Offrons ça, Seigneur. Recevoir pour nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Avec que nous, Seigneur, nous baroule, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions au Seigneur. Que la prochaine fois, Seigneur, que nous avons offrande, Seigneur. Nous multiplier, Seigneur. Ça nous baille là, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions comme ça, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Qui vit et qui règne au siècle des siècles. Ou même qui finit rempli enveloppe pour capable passer là à service d'accueil. Yo, ou à un panier en gris que vous capable de passer offrande. Nous voulons rappeler que à soir, nous pas gagner service. À soir, nous pas gagner service. Que bon Dieu bénisse nous. C'est lui qui protection moi. C'est lui qui montre qui j'en pour me goumer, qui j'en pour m'aller dans bataille. Seigneur, baissez ciel là. Mayen mon yo. Fais yo faire la fumée. Voyez flèche ou. Fais l'ennemi yo gaillé. Cette nuit de combat, celle-là déjà ouvert. Zanjo déjà paré. Soldats levez pied. Cette nuit de combat rivée. Vin cesse délivrance.
contre tout ça qui va activer l'esprit de la mort dans la vie. Rentrez dans le combat. Sorti 14 avril pour arriver 21 avril. Notre Miami Snow High Gymnasium. Dans 13110 North East, 8e Avenue, Miami, Florida, 33661. Ou pas qu'à rater qu'aucun chaîne événement ça. Vin mener combat. No matter what, they come my way.
est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Qui côté vérité ça y est, ta parole est la vérité. Notre but au tabernacle de gloire est de former une communauté multiethnique qui glorifie Dieu à travers la louange passionnée, à travers la prière fervente, à travers l'application fidèle des Écritures. La communion fraternelle sincère, l'évangélisation efficace et la formation des disciples. Quel que soit Jean Virel, c'est Jésus qui chemin. Quel que soit Jean Flappé, c'est Jésus qui chemin. Si Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ça lié. Rejoignez-nous et exaltons le nom de Jésus. On applaudit, bon Dieu. Amen. C'est qui prêt au c'est trésor. Et où sauve-t-on qu'aimé, oh qu'aimé, mon Dieu, fais-moi joindre yon côté, mon caché dans où, fais-moi joindre yon côté. Où c'est trésor moi, où c'est trésor moi, et où sauve-moi, j'ai cambé, mon cambé, mon cambé, mon cambé, mon Dieu d'amour, mon Dieu, oh femme, joigne ton côté, frère. Même joigne au côté fait. Et pour cacher, serré plus près, ou serré plus près. Moi, pas rien, moi, pas rien. Moi, pas rien, l'offrande, moi, pas rien, l'offrande. Oh Jésus, moi, moi. Jésus, oh, ça au doublé pour moi, c'est répibré, oh, c'est répibré, oh, Seigneur Jésus, c'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi ça, comme moi qui seulement Jésus, pas seulement Jésus, Seigneur crucifié. Pas seulement Jésus, pas seulement Jésus, Seigneur crucifié. Serré plus près, serré plus près, pas d'envie ça. Ta moi là, joue, ta moi là, avec vous.
prêt pour la vie ça. Pendant la vie ça. Pendant la vie ça. Joue ta moi là, joue ta avec vous. Besoin Jésus, besoin Jésus. C'est ça que vous reconnaissez, c'est ça que vous reconnaissez. N'a point ami, n'a point ami qu'on lit le temps triste. Besoin Jésus, besoin Jésus. Moi bien content, moi bien content. Les hommes, les hommes. Besoin Jésus. Besoin Jésus, besoin Jésus. Yon sami qu'on lui même, yon sami qu'on lui même. Pour guider dans la fée noire, pour guider dans la fée noire. Vite sous chemin, besoin Jésus, besoin Jésus. Le l'ennemi n'a moins près, le l'ennemi n'a moins près. Moi-même tout seul, moi-même. Tout seul, ta faille est, oui, besoin. Oh, besoin lié. Besoin Jésus. Besoin lié. Besoin Jésus. Cougna. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Moi besoin jour la paix. Moi besoin jour la paix. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Alléluia. Mon Dieu, ma grâce suffit. Si plein d'amour, si plein. Si fort et prêt, oui, besoin. Oh, besoin de Jésus. Y a des besoins. Besoin de Jésus. Y a des besoins.
sûr, mais Jésus est Seigneur merveilleux, Seigneur merveilleux. Oh, sauveur, sauveur. Dis ça, oh, Seigneur merveilleux. Remercions parce qu'on est merveilleux. Moi, glorifions parce qu'on est merveilleux. Moi, louons parce qu'on est merveilleux. Ouais, exalté au parce qu'on est merveilleux. Merci parce qu'on m'a changé. Ou rester le même d'éternité, éternité. Moi, j'ai pris la vie. Mais Jésus. Mais Jésus t'est sauvé. Seigneur merveilleux, Seigneur. Oh, s'en va. Seigneur, nous remercions parce qu'on son merveilleux sauveur. L'heure nous t'es fin perdu, l'heure nous t'es fin perdu, où t'es racheté nous, où t'es sauvé nous, où t'es transformé nous. Kounia, nous capables de gagner l'assurance de la vie éternelle à cause du sacrifice du Calvaire. Nous remercions pour ça. Dans la minute ça y est que nous allons passer dans le message de ta parole, nous demandons que nous-mêmes nous parlions à travers nous-mêmes. Encouragez-nous, convainquez-nous, disciplinez-nous, utilisez-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. En bas l'éternel, en plus. Alléluia. Au Kabachita. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous remercions mon Dieu pour l'opportunité lui accorder nous pour nous la présence une fois de plus. Alléluia. Dimanche dernier, le nous t'es là. Nous t'es faisons appel. N'est-ce pas, pour en seconde. Alléluia. And by bon Dieu, Lord, applaudissement. Donc, très, très important, dimanche dernier, le nous t'es là, nous t'es demandé tout le monde pour yo. T'es passé une semaine de jeûne. Côté nous t'a demandé, bon Dieu, que semaine dernière, nous t'ai dit comme ça que pour contrat que nous t'ai gagné avec une nouvelle compagnie de construction, hein, pour t'es capable de signer. Donc, quelques d'entre nous qui patent là, dimanche dernier, nous t'ai baillons mise à jour, yon update par rapport à ça. Nous sommes dans 4 jours là, nous t'ai présenté compagnie officiellement, première compagnie qui travaille pour nous officiellement devant tout le monde, et nous t'ai baillé une lettre
donc a release letter donc pour yo travail même t'ai dit que le nous t'a présenté yo nous t'ai dit que gagne quelques clauses dans contrat que nous t'ai besoin finaliser avant que nous t'ai signé contrat avec yo donc après nous fin Tefin Bayolet là, nous avons chance de présenter avec eux en public. Donc tout d'abord, il était prendre un mois et demi, bon presque deux mois, nous avons des difficultés en contact avec eux, etc. Quelquefois, avocat était en vacances, En tout cas, ça prend à peu près un mois et demi, deux mois. Là, ils ont retourné vers nous, ils ont ajouté à peu près 3 millions de dollars sous prix que ont été nous au commencement. Donc, en partie, une partie qui était justifiée dans la mesure où, just, I think the house went up a little bit too much. Just lower the keys a little bit. Just lower up the house a little bit. Donc, c'est, ils ont ajouté 3 millions de dollars sur le premier prix que ont été nous. Hein. En partie, il était justifié dans la mesure où il est vrai que prix de construction monté, et on a parlé de ça, prix de construction monté, mais définitivement 3 millions de dollars et puis, comparativement à ça, il était dit non. Réellement, it was too much. Donc, après un pile, monter, descendre avec eux, finalement, en décembre, nous sommes obligés à plus ou moins laisser eux aller. Donc, nous disons, nous ne pouvons pas travailler avec eux. Donc, en décembre, nous laissons aller. Donc, nous prenons une deuxième compagnie. Donc, depuis mi-décembre, nous avons plus ou moins négocié avec eux. Donc, qui mène nous dans mi-mars. Donc, ça veut dire que nous avons été en train sous trois mois de négociation. Première compagnie a fait à peu près six mois de négociation. Ça, lui-même, nous avons l'autre, nous avons couru sous trois mois. Donc, semaine dernière, nous avons demandé pour te prier pour bon Dieu permettre que la négociation soit finie et que nous sommes capables d'entrer. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vendredi après-midi, pendant que nous avons là, nous avons chance pour nous signer un contrat avec deuxième compagnie. Alléluia. Donc, nous avons chance. Contrat signé. Nous contents. Nous remercions mon Dieu pour ça. Donc, qui est très, très important. Et c'est ça, il y a même des besoins. Et puis, pour être capable d'avancer. Date qui est sous contrat. Date pour travail fini qui est sous contrat. C'est le 17 juin 2020. Alléluia. Donc, date pour travaux complétés, c'est le 17 juin 2020. Donc, cela veut dire un an et quelques mois de jeudi. Maintenant, prix qui est sous contrat, c'est 18 millions, donc dernière fois, je me suis gardé hier. Hier, à peu près 18 millions 996, etc. On nous dit 19 millions. Donc, ça, c'est 19 millions, millions en termes de coût de construction. Nous avons tout système audio, vidéo et lighting. Donc, qui ont l'autre 3 millions, qui ont contrat séparé lui-même. Donc, en total, un contrat séparé avec une compagnie séparée. Donc, en total, on a gardé un projet de 22 millions de dollars. Donc, cela veut dire que nous avons une obligation de côté par nous. Nous-mêmes, nous avons une obligation de côté par nous. Donc, dans le contrat que nous signons avec la compagnie, nous mettons pénalité si nous n'avons pas bail. Si vous n'avez pas fini la construction, dans la date que nous demandons, chaque jour qui passe, vous avez une pénalité que vous avez payé nous, si vous n'avez pas fait dans le temps et dans le délai que nous demandons. Donc, nous sommes certains que vous allez faire de leur mieux pour vous produire la construction en temps que nous voulons, pour vous n'avez pas besoin de payer une pénalité pour chaque jour en plus. Donc, pendant que vous avez gagné challenge pas yo pour yo faire face à elle, nous-mêmes nous gè pas nous tout. Ça veut dire dans période ça tout. Dans un an et quelques mois yo gagne pour yo construire, hein? Nous gagnons un an et quelques mois tout pour nous venir avec somme
total. Et donc, et remarquez, c'est pas le 17 juin 2020 pour nous venir avec 22 millions de dollars, c'est pas ça. Ça veut dire chaque mois, il faut gagner assez de provisions pour construction capable de continuer à avancer. Est-ce que ça va? Donc, c'est pour un bagage à Kourou qui, comme c'est le. Et comme c'est 2020, m'a préparé pour le 2020. En réalité, le 17 juin 2020, c'est pour toute bagarre vine payer. Donc, cela veut dire chaque mois, du moment où nous commençons la construction officiellement, chaque mois, nous avons gagné un bill de à peu près 1 million et quelques dollars, 1 million 500, plus que 1 million 500 000 dollars par mois. Donc, si vous prenez 22 millions divisé par, on est 18 mois, donc on va pouvoir un petit peu. Donc, nous avons gagné un bill de au-delà de 1 million de dollars chaque mois. So, pendant que vous-même, vous avez un challenge, nous-mêmes, nous avons un challenge par nous. Est-ce que ça va? Mais nous croyons que bon Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Combien de monde croit ça? Nous croyons que bon Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Bon Dieu qui commence hier. It's been a long road. It's been a long road. Nous presque à la fin. Donc, depuis l'heure pour nous joindre terrain, hein? Nous te font bon temps à chercher terrain. Dans Miami, on place pour nous. Là. Nous faisons au moins un bon 2 ans, ou plus même, au moins un bon 2 ans, rien que chercher un terrain. Donc nous devons jouer un terrain ça. Terrain nous jouons, tu as seulement gagné 2 dans Miami. Dans Miami-Dade County, seulement tu as gagné 2 propriétés grosses. Nous avons besoin qui existait dans Miami-Dade. Seulement, nous avons 2 propriétés, 2 terrains larges. Dans Miami-Dade, nous avons cherché tout côté. Nous avons différents real estate qui ont cherché pour nous. Nous n'avons pas de cas de terrain gros ça pour acheter. Nous avons seulement 2 qui existaient. Donc, nous avons acheté une et l'autre qui existait dans Miami-Dade, là, les tout près nous. Les colac nous. Nous suspectons que c'est pour nous lier tout. Nous suspectons. Jean l'a fourré quoi en bas avec nous. Hein? Jean l'a bien collé avec nous. Hein? Nous suspectons que c'est pour nous lier tout. Donc, dans le temps que nous sommes venus, it's been a long road. Comme moi, Dieu nous fait à peu près 2 ans, rien que à chercher. Financement, te prenons bon temps avant nous décider pour nous te construire cash, obéir à la voix de Dieu et nous te fait des tentatives. Près de 18 banques by refus. Ils ont pas de les financer même terrain. Ils ont pas de les financer terrain. Mais bon Dieu, bah nous le cash. Et pas ça? C'est le ça. Nous venons un signe de la part de Dieu. Ce n'est pas même construction. Je ne parle pas de la construction. Non. Terrain, hein? 18 banques. T'es bien refus. Mais bon Dieu, font Jean, lui permettre que Brie descende. Et ça nous a gagné, il vient acheter terrain. Donc, bon Dieu, t'es agi. Et c'était preuve de sa part que lui voulait nous bâtir cash. Donc, de 2 ans, nous cherchons. Il vient prendre à peu près un an et demi, travail avec architecte, ingénieur, plombier, électricité, etc., etc. Près de 12 différents ingénieurs travaillent avec eux pour eux mettre un gros document ensemble, massif document, pour nous carrément. By county. Nous remercions by county, qu'on a le fond 2 ans à monter, descendre, côté county, à changer ça, ne pas vivre ça, tant. Ils prennent 2 ans. De l'un, oui, récifine county, qu'on a l'entrée dans avocat, négocier contrat avec avocat. Donc, depuis l'année dernière, donc, nous sommes, on lot va le temps encore, 6 mois pour une, donc 3 mois pour l'autre, nous sommes sous 9 mois là, rien que contrat, n'a pas négocié, etc. Parce qu'au besoin qu'on ait contrat, ça y est, c'est pas quand qu'on bral. Vous comprenez, c'est pas quand qu'ils sont.
un soulier ou bien son contrat pour un boss cap font ti bagay pour la caillou, son contrat de 22 millions de dollars. Donc cela veut dire dans contrat ça faut le couvrir toute qualité de bagay, parce que si contrat mal écrit, le nèg ça fin mobiliser tout le monde qui pour venir travailler pour vous. Si contrat mal écrit ou fire, l'absou pour payer le contrat. Donc c'est bon contrat on est venu on est signé, son contrat qu'on doit regarder tout détail, tout détail. S'il fait la pluie, travaille à camper, qui est-ce qu'a payé? Toute machine qui sous terre, qui est-ce qu'a payé? Si comme monde qui tombé pendant le contrat, pendant bagarre, à qui est-ce qu'a payé accident? Si gon bagarre qui mal monté, comment? C'est pour penser toute qualité de situation qui est capable d'arriver et puis pour nous garder venir un accord sur yo d'avance. Donc il prendra à peu près 9 mois avocat pour le panneau avec avocat différents contracteurs à discuter. Donc nous comptons moi bon ça pour un petit panorama. Même si je pas venir chaque dimanche, est-ce qu'on avait même parce que je pas venir chaque dimanche pour venir bon détail parce que là nous venir adorer bon Dieu. Est-ce qu'on avait même? Même si projet est important, même pas venir chaque dimanche pour ma bon détail, etc. Donc finalement, on côté la privée, la retirer, attention nous, sous bon Dieu, et puis la mettre sous building. Est-ce qu'on avait même? Et aussi important que building n'en y est, je ne baille building dans la première place, mon Dieu fâché. Est-ce que d'accord avec même? Même si building n'est important, je ne baille première place, l'éternel a fâché. Donc cela veut dire, même si nous travaillons, nous parlons chaque semaine pour ma venir, pour ma bonne détail, etc., pour yeux nous plus sous building au lieu de sous bon Dieu, nous venir, nous tenir la parole de Dieu, nous adorer, etc. Le gagnant y a un update qui est important, moins baoul, pour qu'on connaisse ça privé. Mais nous-mêmes, pendant toute année, ça y est, donc chaque semaine, nous travaillons, généralement chaque lundi, nous rencontrons avec une équipe, nous travaillons sous projet ça. Donc, moi, je dis ça pour qu'on ait un update. Cela veut dire, moi, explique tout ça pour comprendre. C'est un long chemin de plusieurs années, presque 5 ans. Et qu'on y a, n'a pas arrivé à la fin, parce que du moment, mais, mettez dans le travail là, et n'a demandé, bon Dieu, pour nous avancer, pour nous arriver dans la date là, sans obstacle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? N'a prié contre obstacle, parce que obstacle, yo, coûte nous. Le ennemi en bas nous retard. Le gain retard l'a coûté. Cela veut dire, si nous songeons première fois, l'un de fait commence à parler de ça, 4-5 ans de cela, nous t'a parlé de ça. Nous t'a parlé de 15 millions de dollars. Hier, l'Elsien avant hier, c'est 19 millions de dollars. Ça veut dire 4 ans plus tard, chaque année, il y a 1 million de dollars qui montait pour le même projet. C'est bon, l'autre projet, c'est le même projet, chaque année passée, qui coûtait 1 million de dollars en plus. Donc, cela veut dire retard, il coûtait. Donc, c'est ça que fait à prier, bon Dieu, que nous avançons avec vitesse. Alléluia. On nous dit avec vitesse. Donc, on va demander nous trois bagailles qui sont importantes. Numéro un, chaque dimanche, qu'on y a, puisque nous avançons, seul bagaille que nous attendons dans la minute ça, c'est FPL. Depuis un mois et demi de cela, nous mettons application auprès de FPL pour qu'ils viennent connecter courant souterrain. Donc, du moment où ils connectent courant, monsieur, il y a un trailer souterrain déjà. Ils ont marqué côté où ils commencer. Donc, aussitôt que vous avez courant de la part de FPL, n'a pas avancé. Mais nous avons prié, bon Dieu, pour toute bagaille faire avec vitesse. Même FPL, ou met ballon valet prier tout. Alors, pas attendre ça, Mabdou, là. Nous même FPL, mettre ballon valet prier tout. Si gan pile construction qu'a fait application nous t'es en bas, même si t'es gen moun qui t'es là avant nous, que pas nous en sorti en bas pour le passer en haut. Est-ce que vous d'accord avec ça? Même FPNL bay quelques bon prier pour moun yo wayo bon marché pressé ou pas contre pour ça. Donc seul dernier bagaille qui gagne puisque contrat signé c'est seulement électricité compagnie yo a besoin et puis pour yo avancer. Donc, maintenant, trois bagailles que nous avons fait. Numéro un, à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, nous avons prié pour le projet de construction. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin de jeûner, et puis nous avons besoin de contribuer. Donc, chaque dimanche, nous avons prié pour le projet de construction. Donc, nous avons prié. Deuxième bagaille, nous avons jeûné. Et donc, nous avons venir avec un programme, plus à penser de mensuel, de côté, n'a dédié chaque mois, quelques jours, les capables 3 jours, etc.,
Donc peut-être d'être capable dans le week-end chez Canada. Bon, en tout cas, je vais voir tous les détails. Tous les détails. Moins au moins une fois par mois. Donc nous mettons 3 jours de jeûne à part. Côté n'a fait en tant qu'église, nous toutes connectés, même j'en étais connecté semaine dernière, même si mon travail, mais nous toutes connectés en esprit pour projet à capable avancer. Combien de monde est d'accord avec ça? Donc n'a prié, n'a jeûné, troisième bagaille nous fait, n'a contribué. Alléluia, n'a contribué. Donc n'a contribué, ça c'est un défi qui vient pour lever. Donc l'a levé, quoi c'est première fois, n'a premièrement bon Dieu content. N'a pas bon Dieu en place côté non capable adorer côté nous capable ont place qui dédié à elle. Une fois me songer que me t'ai dit nous ça pendant sous chaise ça là pendant sous pendant là un vendredi soir nous t'ai chez Cana Night n'a fait chez Cana Night me camper là et puis dans reflet dans coin yeux moi on fit passé on fit habillé tout de blanc avec un paquet de bijoux l'eau sous lui immédiatement me connait esprit Jésus-Christ Freda pendant sous chair moi esprit a passé mal dans la prière me dit Seigneur comment me fait son chair n'a fait service et puis pour esprit Jésus-Christ Freda traverser chair. Et puis bon Dieu dit, oublier, place à pas place pour. Bon Dieu dit, le dimanche, avant de faire service là, est-ce qu'on compte qui sac fait sous chez ça? Il dit, tout le monde fait là. This is not your place. It's not a church. Ou louer pour l'église. Mais pas l'église ou pas consacré à moi. Donc c'est ça que fait avant chaque service, qu'on y a soit moi-même ou bien équipe. De prière là, nous bâillons responsabilité pour yon venir loin cher avant nous faire service. Parce que pendant ce semaine, quand on danse vaudou, danse yon valou, tout bagay fait. Donc, premier bagay, nous besoin de place qui dédié à bon Dieu. Qui consacré à bon Dieu. Place l'éternel. L'éternel jaloux pour ça, il méritait ça. Yon place, nous vin adorer. Et l'un fin adorer, nous pas servir à place là. Nous mettez musique d'adoration là-dedans. Pour la adorer l'éternel 24 sur 24. Mais yon place qui dédié à la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est yon projet tout. Cap non seulement glorifier le nom de Dieu. Mais cap lever figure haïtien dans la communauté. Alléluia. Donc, c'est la première fois, à ma connaissance, c'est la première fois dans la communauté haïtienne où il y a un projet de cette magnitude. De cette magnitude. Et je dis non seulement dans la communauté haïtienne, je dis même dans l'histoire du christianisme haïtien, dans l'histoire du christianisme haïtien. Depuis l'évangile a prêché en Haïti et parmi les Haïtiens, à ma connaissance, c'est la première fois que vous avez un projet de telle magnitude qu'a fait pour l'évangile parmi les Haïtiens chrétiens. Est-ce que vous avez même? Donc, c'est toute une histoire. Bon Dieu a permis que moi-même avec nous marquer l'histoire pour la gloire de Dieu, n'a pas levé le nom de Dieu. N'a levé l'évangile et même monde qui pas et même monde qui pas converti c'est pas chrétien seulement l'a levé mais n'importe monde qui haïtien parce que toujours dit comme ça haïtien pas qu'on travaille yo toujours dit comme ça haïtien pas qu'on met tête ensemble yo toujours dit comme ça haïtien pas jamais supporter l'autre haïtien mais le monde gardez et puis pour haïtien met tête yo ensemble yo bâti un projet de plus de 22 millions de dollars. Ça, c'est pré-construction. Je ne vais même mettre prix terre là-dedans qui 3 millions de dollars. Ça, c'est 25 millions de dollars. L'heure, il dit comme ça, haïtien, mettez tête ensemble. Et puis, font projet, 25 millions de dollars cash. Le monde a dit, même si pas gain l'unité de yo, mais gain l'unité dans l'église de Jésus. Combien de monde qui est d'accord avec ça?
Levez-moi à l'aide, dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Mettez prochain building, nous avons levé mes nous. Et puis nous allons prier. Bon Dieu, comment c'est fait là? L'a fini, oui? L'a fini. L'a fini. L'a fini. En vérité. L'a fini. Parce qu'il est l'alpha, oméga. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'aime pas là. Dans n'importe sa vie, ma dépôt confiance. Et moins qu'on est wa agir. Dis bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'aime pas là. Dans n'importe sa vie, ma dépôt confiance. Et moins qu'on est là. Dis bon Dieu ou fidèle, bon Dieu. Ou fidèle ou pas jamais. N'en est pas sa mienne. Jésus, nous avons les ressources spirituelles, tout ça nous besoin. Fais-nous joindre faveur, fais-nous joindre grâce, fais-nous joindre bénédiction, fais-nous joindre au-delà de sa demande, au-delà de sa demande, au-delà de sa besoin, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Bon Dieu ou fidèle, merci parce qu'on fait, merci parce qu'on fait, merci parce qu'on fait. Fini au nom de Jésus, vive chita la gloire. Même Jean David t'es bâti au tambour, même Jean Salomon t'es bâti au tambour, même Jean Moïse t'es bâti au tabernacle, même Jean Esdras, Zorobabel t'es bâti temple pour Seigneur. Nous vivons bâti place pour nous lever, pour nous glorifier, pour nous magnifier, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus au fidèle. Ou fidèle, ou pas jamais, ou pas jamais, n'en est pas sa vie, n'en est pas sa vie, ta défaite en confiance, et point de l'eau, agis. D'abord, cherchez sept mondes par la main, dis, il déjà agi, il déjà agi. Cherchez sept mondes par la main, dis, il t'en coupe, il déjà. L'idéja! Hallelujah! Yekere bosakara! Rabati de bosakara daya! L'idéja! Wendi l'idéja! 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 Ouh! Levez-moi, dit bon Dieu! Au fidèle! Ou pas, j'aime pas là, non, n'est pas de s'amener, n'a pas de confier, et moins qu'on. Alléluia.
Pendant ma petite wap agi, mon Dieu, qu'on baga la peine dit sous chair là, pendant que je suis campé là. Mais ma petite l'a rendu. Ma petite l'a rendu. Bon Dieu, bébé, Richita, what a suspense pour Karen. Mon Dieu, qu'on baga la dit là. Levez-moi, allez, dis gloire! Dis gloire! Dis gloire! Hallelujah! Oh, Father, we thank you. We honor you and love you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Quel monde qui aime bon Dieu? Quel monde qui aime Jésus? Même Jean-Pasteur Béni, il nous demande pour nous faire vendredi soir. Envoyons un beau bas Jésus. Ah! Digne de gloire. Au nom de Jésus. Pendant toute année, on a parlé de l'amour. On a parlé de grandir dans l'amour de Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus va l'ajouter plus tard. Et ton prochain comme toi-même. N'a parlé de l'amour de Dieu. N'a parlé de ça, ça veut dire remain bon Dieu. Matin, nous allons regarder un aspect de l'amour de Dieu qui est important, extrêmement important. Parce que yon bagay que remain fait. L'oreille ou bail. L'oreille qui sont fait? La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Qui ça le fait? Il a donné. Celui qui aime, donne. Et il y a un signe que nous montrer que nous aimons bon Dieu. C'est qui ça nous prêt pour nous? Bail pour lui. Et le demande nous pour nous bail. Est-ce que nous prêts pour nous faire ça? Donc, matin, hein, rapidement, je voulais parler de la puissance de la dîme. Je voulais parler de la puissance de la dîme. Tout d'abord, on nous commencer pour nous définir. Alors, la dîme qui en forme un agent que nous bail à bon Dieu. Qui est une façon que nous baillons. La Bible fait une déclaration dans le livre du Deutéronome, en allant Deutéronome chapitre 27, le verset 30. Deutéronome chapitre 27, le verset 30. Bon Dieu, une déclaration que le fait, pas Deutéronome, pardon, Lévitique chapitre 27, le verset 30. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Bon Dieu fait déclaration ça. En nous tous les ensemble. Il dit qui ça? En nous toutes les fois. Qui ça le dit? Toute dîme de la terre, soit qui ça? Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui est-ce? À? Et puis il dit qui ça? C'est une chose consacrée à? Appartenir à qui est-ce? Appartient à qui est-ce? Appartient à qui est-ce? La Bible dit toute dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, qui ça le mot dîme signifie? Le mot dîme signifie 10%. Donc, l'Éternel dit comme ça, 10% de tout revenu que nous gagnons. Récolte. Vous connaissez ça, récolte là? Récolte, c'est le travail. Ou travaille pendant des mois, ou semer, etc. Ou planter, ou semer. Et puis, il y a un moment qui vient. Et puis, il y a une récompense pour le travail qu'on fait. Il y a qui ça? Yon qui ça? Récolte, c'est récompense pour le travail. L'Éternel dit comme ça, lorsque on va travailler, et on va gagner récompense pour le travail, on va songer que 10%. Récompense là,
récolte là appartenir à moi-même. Ça fait ça. Parce que sous gain oxygène pour travail, sous gain intelligence pour travail, sous gain force pour travail, sous même joindre travail, etc. Il dit comme ça, chaque jour levé ou à fonctionner, c'est moi-même qui bon force ça. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, il dit comme ça, 10% de tout dîme, eh bien, il dit comme ça, là, appartenir à moi-même. Ok, maintenant, il y a des choses que nous besoin, rendre-nous compte. Il n'a pas dit comme ça que. Il n'a pas dit, gardez Lévitique encore, Lévitique 27, verset 30. Il n'a pas dit comme ça que roi va consacrer à l'Éternel. Il dit appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée. Anglais a dit it is holy. C'est une chose sacrée. C'est pas où qu'on consacre. Chaque temps où travaille et pour toucher, sous fait 100 dollars, gain 10 dollars dans 100 dollars qui consacré, qui pour l'Éternel, qui holy unto the Lord. Même si la soit 40 ou li sacré devant l'Éternel. Et l'on touche ou toucher à quelque chose de sacré. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? On nous dit sacré. Donc li sacré ou bien li consacré à l'Éternel. Maintenant, il y a une clarification que nous devons faire pendant m'a parlé de dîme. Est-ce qu'on remarquait que là on nous retournait que li dit que ça, li dit là, li dit toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit du fruit des arbres, li dit appartient. Est-ce qu'on remarque qu'il dit toute dîme? Qui ça le dit? Toute dîme. Donc cela veut dire, quel que soit genre, que c'est à travers récolte, que c'est à travers fruit des arbres, dans l'Ancien Testament, le Yomoun par exemple, le Yomoun t'a fait récolte, la Bible dit comme ça que qu'on partit dans le champ, la Bible dit comme ça que ou pas capable et moissonner, ou t'obligé quitter en cas que yon moun grand goût, li capable joindre ni pour le capable manger. Donc gagner que moun te joindre parce que yo te travaille, yo te récolté, gagner son l'autre moun qui te baillou. Mais l'Éternel dit quel que soit genre passé, quel que soit Jean revenu en vini, quel que soit Jean ou gagné là, il dit comme ça, 10% appartenir à moi-même. Pour qui ça me prend temps pour m'expliquer ça? Parce que en pile fois m'entend des monde dit comme ça, raison que fait pas bailler la dîme, c'est parce que m'pas travail. Dîme c'est pas une question de travail. Dîme sont question de income. Ou quand ça income signifie? Income signifie what comes in. Ou gen doit pas travailler, but something comes in. Gagnon income. Est-ce que ça fait sens? Ou gen doit pas travailler, mais si yon moun ba ou, c'est yon income. Est-ce que tu comprends ça m'a dit là? N'importe bagay qui rentre, quel que soit jan l'entrée, c'est ça qu'elle dit tout dîme, soit des récoltes, soit du fruit des arbres. Quel que soit jan l'entrée, il dit 10% appartenir à qui est à? Dis le fort, à qui est? Maintenant, je me pose une question. Puisque lui appartenir à l'Éternel, l'Éternel pas dit comme ça, si vous voulez ou avant moi. Si lui dit ou avant moi. Si vous voulez faire un geste avec moi avant moi. Il y a une différence entre dîme et offrande. Offrande, c'est volontaire. Dîme, ce n'est pas volontaire. Dîme, ce n'est pas volontaire. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Dans lui-même, il appartient à mon Dieu. Maintenant, le yon bagay appartenir à yon moun. En nous dit m'gon machine, et puis yon moun gade kote mette kléa, et puis il prend machine en l'kouri avec. Comment on relèle? Comment on relèle? Donc, en réalité, n'importe quoi prend bagay qui pas pour vous, automatiquement il faut yon volé. Dis-moi, pas pour vous, les boules éternelles. C'est ça que fait n'importe moun qui prend dîme, l'Éternel rele moun nan même jan tout, rele lion volé. Gardez Malachie chapitre
3, le verset 8. En nous toutes les ensemble. Lise qui ça? And get ready to put it in Creole also when you're done. En nous lit en français. Qui ça le dit? Lise qui ça? Un homme. Qui ça le dit? En nous lit le fort. Qui ça le dit? Un homme. Trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Et puis il répond, il dit qui ça? Dans les dîmes et les offrandes. Et puis qui ça le dit encore? Next verse. Et vous, vous êtes frappés d'une malédiction, vous me trompez la nation tout entière. Gardez même verset ça en créole. Gardez qui ça le dit? Il dit qui ça? Moi-même m'a demandé nous. Est-ce que yon moun kon trompe bon Dieu? Il dit non. Hein? Mais c'est trompé ou ap trompé bon Dieu. Nan ki ça? Qui j'aime trompe li? Et puis il répond, qui ça? Nan question la dim nan. I put it in English. You see how it says in English? Il dit, will a man rob God? Rob means to steal. Le yon moun pon revolver pour prendre quoi bon moun yore le lion robber. Est-ce que c'est pas ça? C'est pas comme ça? Est-ce que ça va, chers amis? Et le yon moun commet yon vol, yon moun kap mache volé, soudainement yon malédiction kap suivi. Donc, message matin, il y a bonne nouvelle, il y a mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, c'est que le yon moun ta présenté dim li à l'Éternel, la Bible le lion volé. Et la Bible dit comme ça, voler sa âme, li gon malédiction qui suivent li. Mettez verset 9 encore. Gon malédiction qui suivent li. Li dit comme ça, vous êtes frappé d'une malédiction. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Frappé d'une malédiction. Maintenant, malédiction ça, comment li manifester? Plus tard, Libral dit nous comment que malédiction ça manifester. Non, verset 10, regardez comment... malédiction s'est manifesté. En nous lit ensemble, il dit qui ça? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, etc. Dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et puis regardez verset 1. Si je n'enverrai pas la nourriture en abondance. Et puis dans le prochain verset, il dit pour vous, verset 11. Mais comment malédiction manifestée? Regardez qui ça le dit. Il dit pour vous. Je menacerai celui qui t'est. Ok. L'Éternel vous dit, vous, parce qu'on pas honoré avec Dimou, vous êtes frappé d'une malédiction. Et puis plus bas, il dit, souvine honoré avec Dimou, ça veut dire, m'a menacé pour vous celui qui dévore. Puisqu'on pas honoré, m'a gagné une malédiction. Mais sous honoré, m'a menacé celui qui dévore. Ça veut dire, malédiction, comment le manifester? Li manifesté par celui qui dévore. Est-ce que nous avec moi, non? C'est parce que l'on pas honoré avec Dimou, li vin ouvert yon porte pour l'autre nègla, parce que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Li dit l'on pas honoré avec Dimou, soudainement porte la vin ouvert pour nègre et détruire, pour le rentrer et puis pour le détruire. Est-ce que l'église commence à m'a dire là? Maintenant, bonjour, bagage, chers amis. Et quelquefois, en business, moun ki étudie business, yo gon concept yo rele en business, the cost of opportunity. Cost of opportunity signifie ki sa? Cost of opportunity signifie que on nous dit m'bral font business et puis yo mande pour me louer cana pour $1,000. Oh mais ça même dit $1,000. Oh $1,000 papa. Oh ça sont pas que de l'argent, ça sont pas que de l'argent, on pas qu'à dépenser l'argent ça. Cependant donc on trouve le 3 pour me dépenser. Cependant si m'te mette $1,000 pour me louer business là, m'te ka rentrer $10,000 par mois. Donc en business, une analyse que vous faites, vous analysez, il faut regarder pour vous, quelquefois, un gros bagage qui semblait un sacrifice, mais ce n'est pas seulement prix, sobral payer pour prendre en considération, ou vous devez prendre en considération
prix ou bral payer sous rater opportunité à tout combien la poteau. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? C'est pas seulement prix ou à payer, hein? C'est pour sous pas fait ça et prix pas fait là combien la poteau. Donc dans cas ça si mon business m'est capable payer $1,000 par mois mais le cas ben moins $10,000 par mois m'a payé $1,000 par mois mais si m'allais avec m'a payé $1,000 par mois si pas allé avec m'a perdu $9,000 par mois ça veut dire opportunité m'a raté ya qui beaucoup plus que l'argent me semblait m'a bail là qui semblait qu'en pile. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là maintenant m'a dit même bagaille là dans transaction avec bon Dieu prend le coût de la désobéissance en considération. Ou capable de penser obéissance coûte cher. Oh boy. Mais désobéissance coûte beaucoup plus cher. Oh, m'a reprendre encore oui. Ou capable penser l'obéissance coûte cher. Mais désobéissance coûte beaucoup plus cher. On nous dit me travaille et puis me fait $1,000. Ça l'Éternel dit. L'Éternel dit ma bonne opportunité, ma bonne grâce, ma bonne etc etc, ma bonne force, ma bonne intelligence pour capable de travailler, pour capable de produire et même leur pas travail, ma bonne faveur pour monde penser avant etc. Excepté seul deal moins gain avec n'importe ça qui rentre, songez 10% c'est pour moins que lié. C'est pas 10% va ben moins souvelé, c'est 10% que qui appartient à moi, m'a mettre le sous à caon tout ou à fin potel dans temps moins pour moi. Est-ce que l'église commence à me dire là, hein? Mettez-le sous account ou mais pas pour vous. Ou à vin poter la caille moins pour moi. Et ça veut dire apporter à la maison. Donc, il dit ou à vin poter la caille moins pour moi. Donc, c'est même gens avec yon melmen. On nous dit yon melmen qui gagne yon moun kap, yon melmen et puis kap dépose, kap délivre lettre. Ok? La travaille dans le poste office, la délivre lettre. On nous dit comme ça, la délivre lettre là. Et puis, il y a enveloppe la mail, enveloppe la gon chèque, $1,000. $1,000 ça. Si mail maintenant paraît, li ouvre enveloppe là, li joue non j'en cache chèque li, li mette la poche. Comment après le? Comment après le mail maintenant? Parce que même si chèque là dans mail, chèque là pas pour lui. Chèque là c'est pour le délivrer yon côté. Et s'il prend sa délivré, automatiquement le voler. C'est même gentou, moi-même avec, l'Éternel dit comme ça, mais qui ça me va le faire, ou ap travail, gagne 10%, que ou ap travail, gagne 10%, gagne 90% qui pour vous, gagne 10% qui pour moi, même à mettre le sou à 40 ou, mais l'offre de l'église ou à déposer pour moi. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Ça veut dire avec 10 mou ou seulement yon mel men pour l'Éternel. C'est pas mandé la mandé s'il pour moi souvle ben moi. Li dit li appartenir avec, li soit 40 ou, li dit l'ordre de l'église ou a songé déposer pour moi. Maintenant du moment que m'pa du moment m'prend soudainement il vient classifier me comme un volé. Est-ce que on comprend ça m'a dit là? Maintenant qui prix ça gagne? Prix ça gagne, c'est que la Bible dit que ça il vient bail yon malédiction. Li vin ouvre porte celui qui dévore. Donc, bon réfléchir avec vous yon moment. On nous dit comme ça que nous travaillons, chèque moins $1,000. L'Éternel dit comme ça, dans $1,000 qui gagne, songez $900 c'est pour vous. M'bon force, m'bon intelligence, m'bon opportunité, etc. $900 pour vous, $100 pour moi. Et puis, quand y'a moi-même, moi senti que extra $100, ça c'est pas deux autres bagailles. L'été capable de faire. M'senti pour m'obéir pour m'bailler $100 ça. M'senti obéissance de $100 ça. M'senti obéissance là coûte cher. M'senti l'empile parce que moi tellement l'autre bagaille m'ka faire $100. M'désobéi. Mais ça m'ba rend moi compte c'est que obéissance ça coûte $100. Mais l'homme désobéi, qu'on y a ouvert porte pour celui qui devant entrer. Et le celui qui devant entrer, ce n'est pas $100 seulement dévoré. Amen.
Est-ce que l'église commence à m'appeler? Il dévore 100 dollars, mais celui qui dévore là, puisque Satan, il ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Il n'est pas seulement venu détruire 100 dollars, il vient détruire tout le 90 qu'il a tout. Et puis c'est gado gade, et pour que nous ne pas jamais faire connexion. C'est gado gade ou gado ouais ou fou couler. Et puis on dit pour yon faire 20 000 $. C'est gado ouais accident fait. Et pourtant pour acheter l'autre machine 7 000 $. C'est gado ouais gros problème l'hôpital. Et pour pas d'assurance. Et pour gado ouais l'hôpital voyons bill 50 000 $ bas ou pour 2 jours l'hôpital. C'est gado ouais yon vol bagay crédit. Yon fait vol d'identité. Et puis yon vin yon prend non yon bon. Yon bill 80 000 $ sous d'eau et puis wap marche, wap descend, etc. Et puis toute qualité bagay a fini. Pour 100 $ ça, qui pas respecté. Donc, chers amis, si vous pensez obéissance coûte cher, pensez pour vous combien désobéissance coûte. Parce que désobéissance baille accès à celui qui dévore. Faut il descendre du bitil bas accès à celui qui dévore. Et puis quelquefois bagasse ou qui doit passer ou qui doit pas même faire connexion en même. Et puis c'est cadeau dévorer, c'est cadeau et pour travail et pour pas jamais car où est son réglé. Parce que dans l'invisible il y a celui qui dévore. Même déclaré matin que bon Dieu a pété toute chaîne. Tout celui qui dévore, qui a dévoré, c'est pour bon Dieu voyer ange pour dévorer celui qui dévore. Combien de monde qui d'accord à ça, sous d'accord, ça dit gloire. Chers amis, ce n'est pas obéissance qui coûte cher, attendez. Ce n'est pas obéissance qui coûte cher. C'est désobéissance qui coûte cher. Nous t'en disons, hein? Ce n'est pas obéissance qui coûte cher. Ça coûte cher là, c'est désobéissance. C'est l'or commencé, c'est l'or dans la désobéissance. Et pour garder toute qualité de bagarre privée, il coûte cher, il coûte très très cher. Donc, mauvaise nouvelle là, parce que j'ai bonne nouvelle, j'ai mauvaise nouvelle, ma bon mauvaise là avant. Est-ce que vous d'accord avec ça? Et puis ma bonne en après. Donc, première mauvaise nouvelle, c'est que, alors, la dîme numéro 1 appartenir à l'Éternel, première mauvaise nouvelle là, c'est que, moun qui pas observé, la Bible dit soudainement, Mounsa son volet. Mounsa volet, il trompe bon Dieu. Il vole bon Dieu. That person robs God. Deuxième mauvaise nouvelle qui gagne, c'est un nous dit qu'on y a moi-même, moi bail, dis moins, même pas tellement consistant. De temps en temps, l'homme go emergency, m'gon bagay, m'prête dim nan pour m'régler un bagay. Bon, sous prête dim nan pour m'régler un bagay, l'Éternel paraît le Mounsa exactement yon volet. Mais l'Éternel dit comme ça que n'importe le roi la banque pour prêter, l'on va payer avec intérêt. Donc l'Éternel dit, pas de problème, pas de problème. Ok, vous avez un problème, vous avez une imagine si vous avez prêté comme dit. Kounia, gardez l'autre verset, dans verset Lévitique 27, verset 30, en nous lit verset 30 là, après nous finit 31. Dans verset 30, il dit, tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, des arbres, il dit, appartenir à qui est-ce? À qui est-ce? À qui est-ce? À? Il dit, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc, c'est pour moi lié. Maintenant, comme c'est pour moi lié, en cas qu'on t'a vu prêter, pas porter l'autre, à doit porter là, il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, pas de problème. Il y ajoutera un cinquième. Est-ce que nous comprenons ça va dire là? Put it in Creole as well. Parce que ça y est français lié. D'ailleurs, ouais, comme en Creole là, comme vous dites Creole, pas les Creole, comprenez? Put it in Creole as well. Ok, Lévitique 27, verset 31. En nous lisons ensemble, qui ça? Hein? Ok, yon moun qui vle qui ça? Acheter pour lui-même qui choy nan 10 la. Nan 10 pour ça la valeur. Ah, li pa manke. Yon moun qui vle acheter pour lui même qui choy la nan 10 la pour ça la valeur. Bon, créole ça réussit pran moi. Ma bon, là m'a prêté à français parce que là c'est créole parler français comprendre.
Ok, c'est créole, parler français, comprendre. Mais la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça que Mounsa la va ajouter un cinquième. Donc l'Éternel, rien pour lui dit comme ça, souprend dans ça qui appartenait à moi maintenant, on va ajouter un cinquième. Ça, c'est mauvaise nouvelle. Là. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Combien de monde qui veut entendre des bonnes nouvelles là? Monde qui veut entendre des bonnes nouvelles là, dit gloire. Bonne nouvelle là, c'est que si. Bonne nouvelle là, c'est que. Si pas respecter la dîme mène yon malédiction, respecter la dîme mène yon. Respecter la dîme mène bénédiction. Donc c'est ça que Felbral dit. Honorer avec dîme et offrande. Il dit et voir si m'a pas béni ou si m'a pas prouvé les écluses des cieux. Nan notre regardez là rapidement. Il y a trois types de bénédictions que la dîme beauté. Trois types de bénédictions que la dîme beauté. Prends note là. Numéro un. La dîme a poté la caillou. Bénédiction sur une base. Sur une base. Et puis même moi, régulière. Dit régulière. La portée bénédiction son base régulière. On nous dit régulière. On nous lit Genèse chapitre 15, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18. On nous tout lit ensemble. Qui ça le dit? Il dit en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate, etc., etc. Il dit, on nous dit, en ce jour-là, dit ça bifo, dit, en ce jour-là, dis fois encore, en ce jour-là, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Maintenant, n'importe le roi blin dans la Bible, et pour garder où elle dit, après ces choses, ou bien le jour, en ce jour-là, ou bien le jour soudainement, ou bien le jour le même moment. De pour un type de phrase, il faut toujours aller histoire précédente pour qu'on ait ça qui est passé. Parce que quel que soit ça, c'est conséquence de yon bagaille qui t'est passé. Est-ce que vous avez même? Puisque le dit, en ce jour-là, faut aller dans Genèse chapitre 15, faut aller dans Genèse chapitre 14 pour moi qui ça qui t'est passé avant. Qui fait bon Dieu décider béni Abraham en ce jour-là. Dans Genèse chapitre 14, qui ça nous est? Nous est Abraham, t'es grand neveu qui t'es relé l'eau. La Bible dit qu'on ça, t'es grand coalition de rois qui t'es venu attaquer Sodome avec Gomorre. Et yo te prend l'eau et puis yo te mené captif. Le Abraham, dans des nouvelles là, il prend 318 de ses serviteurs et puis il courit. Eh bien, Abraham avec quelques employés, attendez, oui, Abraham avec quelques employés que le te gagné, goumé avec une coalition, l'armée de 10 pays. 10 pays mettez ensemble Abraham avec 2-3 employés, 318 employés, calé, coalition, l'armée de 10 pays. Kounia, l'el calé coalition, l'armée de 10 pays, hein? Il y a ce qu'on appelle les butins de guerre. Butins de guerre qui s'allient. C'est toute bagaille que soldats quittent. Les a couru, il a perdu la guerre, il a couru. Il y a des qui quittent l'argent, il y a des qui quittent l'or, il y a des qui quittent diamant, il y a des qui quittent rat, il y a des qui quittent toute qualité de bagaille, tout mieux mettez tout mettez dehors pour sauver la vie. Il y a des gens qui mourent, qui mourent avec l'or, diamant sur tout, bagage, ils ont les bagages au butin de guerre. Donc voilà Abraham vient de la guerre là. Et puis il gagne butin de guerre de 10 pays. Et puis la Bible dit que ça, monsieur Abvini, ça veut dire Abraham chargé, la coulé bas. Et puis la Bible dit que ça, pendant la tournée, comme ça, il rencontrait avec un personnage mystérieux, que y aurait les Melchisedec, que la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et puis il joint avec Melchisedec, la Bible dit Abraham présentait Melchisedec la dîme de tout. Il présentait la dîme de tout. Et puis la Bible dit, l'œuf me présentait. Melchisedec la dîme de tout, Melchisedec longe et mêle, il bénit Abraham. Ça c'est Genèse chapitre 14. Aussitôt, dans le dernier verset, hein,
dans fin chapitre là, il dit le béni Abraham. Dans le chapitre qui vient après, nous est l'Éternel après Melchisedec fin béni Abraham, l'Éternel paraît devant Abraham. Et puis il dit Abraham, je suis ton rémunérateur. Je suis ton rémunérateur. Ou comme ça veut dire rémunérer, il signifie récompenser. L'Éternel parlait de Abraham, il dit Abraham, c'est moi qui rémunérateur. En d'autres termes, Abraham, pour geste ou ce que fait là, mon cap payé pour lui, c'est moi-même. Est-ce que l'église a dit ça, m'a dit, ah ben bon Dieu. L'Éternel dit Abraham, je suis, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. Dis-moi ce que je te présente par Melchisedec là, c'est moi qui paye. Le monsieur dit, l'Éternel dit, je suis ton rémunérateur. Ah, Abraham dit, Seigneur. Depuis des années, m'attend un petit. Non, mais on te fait une promesse, un petit. Ou pas, j'aime pas moi. Mais c'est vieux Eliezer qui l'a, qui l'aime bral mourir. Et puis tout bien, c'est Eliezer le baljou. Et puis la Bible dit, l'Éternel relève Abraham. Il dit, Abraham, gardez l'étoile qui est dans le ciel là. Regardez. Il dit, est-ce qu'on peut compter? Il dit, je ne peux pas compter. Il dit, c'est qu'on sa postérité. Est-ce qu'on avait main? Et puis il dit Abraham, il dit oui Seigneur, il dit garde ça blanc mère, il dit est-ce qu'on peut compter? Il dit je ne peux pas compter. Il dit c'est qu'on sa postérité. Et puis Kounia, et puis l'elfin fait ça, la Bible dit l'Éternel jetait Abraham dans profond sommeil. Et puis il descend, il fait un sacrifice, et puis il fait une alliance. La Bible dit en ce jour-là, remettez-le sous verset encore, en ce jour-là, la Bible dit que ça, l'Éternel qui sa fille. Alliance avec, pas les fois avec. En ce jour-là, l'Éternel fit qui sa alliance avec. Et puis l'Elfin fait alliance avec Abraham. Il dit, je te donne. Je te donne. Je donne à ta postérité. Je donne à ta postérité. Non seulement ma bonne petite, tant qu'on sable en mer, tant qu'on étoile qui est dans le ciel là, mais petite, tu n'as pas le traîner, tu n'as pas le pauvre. Il dit, je donne à ta postérité. Depuis le fleuve de l'Égypte, depuis le fleuve d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, fort à bon géographie, ça veut dire ma bord depuis, moun qui gagne une idée de Moyen-Orient, Israël, ma bord depuis en bas, Égypte, cela veut dire sortir en Afrique, et puis ma benou rive jusqu'à Euphrate, ça veut dire Irak. Côté Saddam Hussein, ma baou depuis Afrique jusqu'à Iran. Irak, pas Iran. Ma baou depuis Afrique jusqu'à Irak. Il dit tout petit tout va posséder terre ça. En d'autres termes, les monsieur fin fait sacrifice à l'Éternel bal deux bénédictions. Li bal bénédiction humaine, ça veut dire ma bon petite qu'on pas compter. Et puis il dit ma bon bénédiction financière, ma bon terre, ma bon terre. Ma bon real estate, ma bon caille, ma bon lead, compacte en ce jour-là. Aïe. Déclarer c'est pour le ciel, parlez-vous. Déclarer c'est pour le ciel, parlez-vous. Déclarer dis-moi présenter, c'est pour vous parlez-vous. Dis-moi présenter, c'est pour vous parlez-vous. Dis-moi devant l'Éternel, c'est pour vous parler. Sous d'accord, ça dit gloire. Maintenant, même moi, je l'attire attention pour lui. La Bible dit, en ce jour-là, pour l'Éternel qui a rassuré Abraham, il fit alliance. Vous connaissez ça, le mot alliance signifie? Alliance signifie contrat. C'est ça le mot alliance signifie. Une alliance, c'est un contrat formel. Alliance signifie contrat formel. Le yon moun a marié, yon dit qu'on soit fond alliance devant mon Dieu. Devant famille, devant la société. Alliance, ça, c'est qui s'allie? Yon contrat, parce que yon contrat qui s'allie. Ça veut dire, yon contrat, son bagage qui stipule obligation et privilège tout le monde. N'a entré dans une relation. Ou a fait tel bagage, moi-même a fait tel bagage, et mais qui longue durée contrat. L'a 1 an, l'a 3 ans, l'a 5 ans, etc. Si vous avez un contrat caille, est-ce qu'on avait même? Si vous avez un contrat caille, vous avez fait l'un l'autre, la fait tel bagaille, tenet la fait tel bagaille, nous toutes des responsabilités nous, et puis mais qui va le temps, nous avons des responsabilités nous. L'homme marié avec un monde, et bien homme n'a des responsabilités lui, et puis femme n'a des responsabilités lui, et puis alliance ça, il dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que l'église commence à me dire là?
Est-ce qu'on avait même son alliance liée? Le mariage, c'est une alliance. Ça veut dire un contrat formel devant tout le monde. Ce jour-là, l'Éternel descend, il fait alliance. Maintenant, suivez bien, chers amis. Gain deux gens, l'Éternel qui a béni. Combien me dit? Combien me dit? Dis-moi encore. Combien qui ça? Gain deux gens, l'Éternel qui a béni. L'Éternel qui a béni par miséricorde. Ou bien, li ka béni ou par alliance. Ma pour reprendre encore, oui. M'di l'Éternel ka béni ou deux gens. Li ka béni ou qui sa part? Dis-moi encore. Li ka béni ou qui sa part? Ou bien li ka béni ou par? Ça veut dire. Ça veut dire que par miséricorde signifie que ou non situation. Et puis, miséricorde signifie une situation. Et puis, il y a des gens qui ont un problème, qu'elle fait le mal. Et puis, ils font des choses. C'est ça que ça veut dire par miséricorde. La réalité est que bénédiction par miséricorde, même chrétien qui va jamais payer d'imni, lui qui doit pas même vivre l'église, lui qui doit pas même vivre une vie qui sanctifie, lui qui a style recevoir une bénédiction par miséricorde. Ah, on gros bagarre, oui, m'dou là, ma prépare. Mais chrétien, on chrétien qui n'a pas jamais payé, qui n'a pas jamais payé offrande, qui n'a pas jamais tellement vu l'église, qui n'a pas même vivre droit. Il still bénéficier de une bénédiction ou bien quelques bénédictions par qui ça, par. D'ailleurs, nous allons plus loin avant, même moun qui pas converti. Joint une bénédiction par Jésus dit l'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. L'Éternel fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. On nous dit, yon moun athée, li pa kwen nan bon Dieu, li dit li pa vin l'église, moun sa yon a perdu temps yon, l'ap joure, l'ap gaspille temps, moun sa ou li vin la, li décide pou servir loi, li décide pou vodouisant, li décide loi danser nan tête li, etc. Li, gade, li diabolique net, même moun ki pi diabolique la, si l'alde la kay li, li plante yon pied bois, a pleuvé. Vous avez dit là, même un petit pigou au diable là, si l'aldeur est allé planter un pied bois bleu. Bon Dieu m'a dit, ou trois idolâtres, ou trois malfaiteurs, pas de soleil pour vous, pas de la pluie pour vous. Les bon Dieu voient le soleil avec la pluie pour toute petite li, même malfaiteur ça, a besoin dans le soleil là, et a besoin dans la pluie. Ça a l'air qui ça? Misérie! Même un qui est converti, joindre la grâce mon Dieu. Vous ne pouvez pas raconter grâce mon Dieu. Vous ne pouvez pas admettre c'est grâce mon Dieu. Mais vous joignez la grâce mon Dieu. Ça a été miséricorde. Mais les gens qui marchent avec bon Dieu, ils ont l'autre dimension que le réservé pour petit. Est-ce que vous avez main? Est-ce que vous avez main? Ils ont l'autre dimension que le réservé pour petit. Ils ont l'autre dimension que le réservé pour les gens qui marchent avec elle. Ils ont l'autre dimension que le réservé pour les gens qui connaissent, les gens qui ont mis le temps pour Abraham. Ça a lui-même lié l'alliance. On nous dit alliance. On nous dit alliance. On nous dit alliance. Gen moun qui béni par miséricorde. Gen moun qui béni par alliance. Maintenant, qui différence qui gen entre la miséricorde et l'alliance? Première différence entre la miséricorde et l'alliance, c'est la régularité. Dis-moi régularité. Non, dis-moi ça encore. Dis-moi régularité. Ça est la première différence qui gagne miséricorde et alliance. Donc, bon, bon bel exemple. On nous dit qu'on ça marche dans la rue. Et puis, nous tombons sur un ancien ami. Et puis, nous parlons, mon cher, ça passe, comment y est, famille, où nous parlons, etc. Le bras aller. Et lui dit, ah, nous avons le pasteur Kounia, oui. Je connais le pasteur, c'est le monde qui servit bon Dieu, oui. Je connais le pasteur, c'est le monde qui gagne et qui remet le monde, oui. Mon cher, je n'ai pas de problème.
un gros problème qui sont capables de faire pour moi. Eh bien, quand je suis je prends un bout de râle, je compte à un jeune 500 dollars, je dis mon cher, qui a 500 dollars en main pour être capable de régler le mouvement. Maintenant, est-ce que nous avons un ça a qui ça? Ça a qui ça? Ça a qui ça? Je suis obligé de parler. Est-ce que nous avons un si je ne parle pas, est-ce que je ne fais pas mal? Je suis obligé de parler. Ça fait ça parce que je raconte un problème, ni que je fais mal, je parle. Ça a qui ça? Ok. Quand il y a un mois prochain, on a marché et il arrive, nous tomber bab pour bab encore. Et puis il dit, parce que mon cher, moi, monsieur, pour sortir bon mois dernier, il te aide. Mais est-ce qu'on aime le même problème encore? Premier mois, il te dit, ça, c'était papa qui mourit. Moi, ça, il dit, c'est maman qui mourit. M'vini comme fait mal, m'vini m'rale bouche moi, m'jouen au lot 500 dollars encore, m'bad. N'avance encore. Moi prochain plus tard, m'tombe bab pour bab souli encore. M'sè dit, ah mon cher, ou son homme spécial, ou pas on, ou son ange. Et puis j'ou pas ta quoi ça? On dirait chaque temps des problèmes ça, va me rencontrer. Parce que même petit problème où on est dans deux mois qui sont passés, on a même problème encore. Et puis je me dis, monsieur, on a même problème, ou qu'on s'est passé, moi-même, pas le même problème. Donc, monsieur qui doit venir, je me dis, mon cher, je t'ai deux fois, mais mon cher, je dis, je ne pas un yem café, un yem pas café, même. Si je ne est-ce que je péché? Ça fait ça parce que c'est miséricorde. Le c'est miséricorde, l'on baille ou bien. Le c'est miséricorde ou baille l'on vle, ou baille l'on capable, ou baille l'on content. Et sous pas baille, pas grand gain reproche pour le café. Parce que c'est miséricorde. Cependant, l'un entraîne alliance sont l'autre cause. Le 13 juin 2003, moi-même, dans New York, Long Island, New York, j'ai fait alliance avec madame. Devant bon Dieu, devant famille, devant la société. Et yon nan bagagi en tant alliance là, en tant que mari, c'est pouvoir a besoin famille. Kounya nous nan mois de mars. On nous dit premier mois, pas de paraître. Il dit grec, mortgage la doui, etc. Mortgage arrivé. Je viens, je vais un chèque, je dis baby, et déposer ça pour nous. Ok, moi. En février, il paraît, et il dit mortgage la doui, oh, ok, pas de problème. Mes chèques là, et puis on a payé. Masse là, il paraît, je dis, oh, son passé là, son pied là, j'aime gagner. Chaque mois, je viens de côté, ou je viens de demander pour me payer mortgage. Est-ce que ça a passé? Est-ce que ça a passé? Est-ce que ça a passé? Ça fait ça parce que c'est yo. L'orgue alliance fort kembe, l'orgue alliance fort régulier, l'orgue alliance fort paraître, l'orgue alliance fort faire devoir, l'orgue alliance c'est ce qu'on avait mais ou pas qu'à morder en foi et pour pas morder en l'air, ou paraître en l'air, ou pas paraître en l'air, et puis m'entendez l'éternel dit, garde kounia pour t'être converti, de temps en temps bon petit bénédiction par miséricorde, l'offre 40 ou jeune bagarre la raide, m'garde moi par miséricorde, mais l'éternel dit qu'on l'autre dimension en moi, qu'on l'autre dimension en relation avec moi, m'bavle là. Yon bagay nan men on l'air comme ça, nous besoin d'entrer dans l'alliance là. Et puis pour chaque semaine, pour chaque mois, pour chaque année, pour chaque saison, pour chaque problème, et puis pour me paraître, parce que c'est yon. Ah! C'est ça que fait l'éternel du gros mot dans Malachi. Non seulement dit sous honorim avec dîme ou offrande, il dit comme ça, regardez. Il dit comme ça, gardez pour essayer de pas menacer celui qui dévore. Et puis l'Éternel dit un gros mot que le pas dit en quel côté dans la Bible. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Ça veut dire bam yon examen. Gardez pour est-ce que je suis fidèle.
Parce que du rocher de Jacob, toute l'œuvre est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon Dieu, pas qu'on fait alliance pour le violer alliance. Bon Dieu, pas qu'on fait contrat pour le violer contrat. Bon Dieu, pas fin dit oui et puis pour le virer, pour l'agir. Ah non, l'Éternel dit, t'es dans la dimension miséricorde là. De temps en temps, la bombe a en main. Mais l'Éternel dit, qu'on a besoin de monter dans l'autre dimension pour entrer dans la dimension de là. Oui, il y a un monde qui passe servir bon Dieu capable de jouer une bénédiction. Mais monde qui connecté avec bon Dieu, il joue ni par miséricorde. Mais monde qui connecté dans bon Dieu, il béni par alliance, une régularité là. Une régularité là. L'homme qui a un problème, il apparaît devant mon Dieu. Est-ce qu'on a des mains? Aïe. En d'autres termes, pas béni par chance, il a droit à bénédiction. Les m'a prié, c'est qu'on y a une base pour me prier. Les m'a jeûné, une base pour me jeûner. Les m'a discuté, les m'a plaidé avec l'Éternel. Une base pour me plaider avec l'Éternel. Parce que nous faisons contrat, nous faisons alliance, gros obligation, gros disons. Est-ce qu'on a dit ça, m'a dit là? On nous dit, ah! Bon Dieu voulait monter dans la dimension de l'alliance. Bon, régularité. Deuxième bagaille qui gagne, hein? deuxième caractéristique de bénédiction. Que la dîme beauté, non seulement pour ton bénédiction, son base régulière, mais deuxièmement, ok, pour ton bénédiction régulière, deuxièmement, l'hypoté, bénédiction abondante. Ouh. Oh, dis-moi encore, dis abondante. Aïe. Ah, Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin de donner et donner la vie. En qui ça? En abondance. Et il y a une clé qui permet moi d'entrer dans l'abondance que Jésus promet moi. Hein? C'est à travers la dîme. Gardez pour qui ça le dit encore dans Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. On nous lit ensemble. Mettez-la en français, s'il vous plaît. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et puis regardez qui ça le dit. Il dit, mettez-moi à l'épreuve de la sorte, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Avancez. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, comment la bénédiction? La bénédiction en abord. De temps en temps, Alléluia. Par miséricorde, de temps en temps, joigne quelque chose ou joigne un bagage. Bon problème, bon Dieu, voyons provision. Mais si vous voulez rentrer dans une dimension d'abondance dans bon Dieu, une clé de l'abondance, c'est observer la dîme. Il dit sous honorer avec dîme et offrande. Gardez pour vous, si je ne peux pas les écluses des cieux, si je ne peux pas vous bénédiction en abondance. On retourne dans le même exemple encore. Même partenaire. N'après le monsieur Jackie. Si grand Jackie là, bah inquiétez, c'est pas où. On nous dit, marché encore, me retourner, nous jouons avec Jackie. L'homme de jouer avec Jackie, ça me bat tout, c'est que Jackie te dit comme ça que Kailia, loyer, c'était $1,200 par mois. L'homme ouvert, réalé bousse moins, m'gade m'joigne $500. Malgré monsieur dit loyal, c'était $1,200, m'réalé bousse moins, mon cher m'dit m'bagé grand chose, mais ça m'gagne kembe $500. Non mais loyal monsieur, $1,200. Mais si m'vini m'ba monsieur $500, est-ce que m'péché? Est-ce que n'avait main? Yon zan mi m'tombe sous l'île dans la rue. Que m'a oué longtemps, il dit mon chèque, j'ai problème, loyer $1,200, etc. M'entrer dans la bouche, moi, m'rale $500 m'bali. Est-ce que m'péché? Est-ce au lieu de $500 m'bali $300? Est-ce que m'péché? Et si m'ta même bal $100, m'dit mon chèque, m'a pas grand chose, seul bagage m'a $100, l'gè doit pas grand chose, mais la fond quand même, m'la gè $100 l'amène. Est-ce que m'péché? Parce que c'est qui ça part? Parce que son bénédiction part? Par qui ça part? Par misère? Le roi béni par miséricorde, tout ça y a dans mon bon. Bénédiction par miséricorde, tout ça y a dans mon bon. Ça fait ça parce que pas aucune obligation.
Cependant, on nous dit quoi ça, Kounia, c'est dans le mariage moi mieux. Et puis avec madame moi, etc. Et puis il vient côté, et bien pour moi de mars là, il dit, Greg, loyer à doui, loyer arrivé, $1,200 loyer, pas oublié. Et puis pour me t'apparaître de côté pas, pour me dire, baby, on n'aime pas quelque chose, mais $100. Boubi, vous n'avez pas ça, non, pas d'après. Ndal di pas oui bagage mon $100 Québec qui ça c'est un obligat c'est un a alliance signifie ou qu'on responsabilité est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là ça veut dire m'pas ka vinn paquette pour mal dire comme ça c'est $100 me gagner si manqué $1,100 c'est pour mal dégager pour me joindre ni bail est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là est-ce qu'on si m'a prend deuxième job est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là si m'a prend job dans téléphone si m'a vendre quelque bagage si m'a éliminé mes femmes joindre parce que c'est un c'est une alliance. Parce que lorsque c'est une alliance, lorsque c'est une alliance, ou obligé rencontrer tout besoin. Et mon Dieu pourvoira à qui ça a, Parce que l'on a dimension de l'alliance, c'est pour un petit besoin ou bien parti dans besoin, c'est tout besoin. Et puis, m'bralon ti jan loin, monsieur, n'est qui pas marié, yon ne doit pas comprendre ça, mais n'est qui marié, yon comprendre ça. Ou qu'on est là, madame, dans une koto, et puis tout qu'on a bon besoin pour $1,000, sous intelligent, ou pas bral bal $1,000, ou pas ajoutons l'autre $100 extra, ou $200, ou $300. Ou ajoutons un petit bagaille, parce qu'on n'a pas qu'à seulement rencontrer besoin, faut aller au-delà de besoin. Est-ce qu'on t'a dit? Et puis les consultants, je suis content parce que je fais alliance avant ça. Ou respecter alliance, ou qu'on alliance. Et puis je t'a dit l'éternel a dit, tu m'induis le matin, dit David. Et ma coupe pour pas seulement rencontrer besoin. L'entrée dans la dimension de l'alliance, et ma coupe, qui compte pas de cette eau encore soif, mais celui qui boira de l'eau qui j'aimerais n'aura jamais soif. Et Cloa vit dans l'ion sous de. Lors d'une alliance, gain abondance. Pas gain abondance dans miséricorde. De temps en temps, qu'a joué nos bagailles, mais dans miséricorde, ou qu'a gon problème, que bon Dieu fait le mal pour, li la gon bagay nan men. Mais pas gon consistance là-dedans, ni pas gain abondance là-dedans. Consistance vient à travers alliance. Abondance rive à travers alliance. Et m'bralé plus loin avec vous. Lors rentre dans dimension alliance, non seulement gain abondance, mais tout ça l'autre la possédé. Mounou en alliance avec là. Tout ça le possédé. Les mariés avec madame, moi, c'est pas seulement $1,200 par mois, les gagner, puisque le marié avec la réalité est que tout ça me gagne appartenir à lui-même. Kaila, c'est pour lui. Est-ce qu'on t'a dit ça, Madoula? Machine, c'est pour lui. Livre, c'est pour lui. Rat, c'est pour lui. Quel que soit ça me gagne, terrain, quel que soit ça me gagne, tout pour lui. Ça que fait ça gagne, lorsqu'on entre en alliance avec mon Dieu, m'entendez, mon Dieu dit, les cieux et la terre appartiennent à l'éternel des armées. Ça veut dire, l'on alliance avec mon Dieu, quel que soit côté aller. C'est ça que fait le monde qui est en alliance avec mon Dieu. Il n'y a pas peur. Si mon Dieu voyait à Haïti, mon Dieu voyait à Paris, mon Dieu voyait à Guadeloupe, il n'y a pas peur. Parce qu'on connaît alliance, les cieux et la terre appartiennent à l'éternel, quel que soit côté mieux. Il y a même dit qu'il y a une récession, il y a même dit pas de travail, il y a même dit qu'on sa profession, ça c'est à faire garder. Mais quel que soit côté mal, ma prospérer, à faire ma marché, parce que c'est cherchez toi mon bala, mais dis, faut entrer dans la dimension ça. Ça arrive la dimension de l'alliance. Pas de problème avec miséricorde, non, mais pas de problème avec miséricorde. Mais faut qu'à quitter miséricorde là-dedans pour entrer dans la dimension alliance là. Ou que trop grâce ou à perdre, ou que trop bénédiction ou à perdre, ou que trop niveau ou à perdre. Est-ce qu'on entend ça partout là? Que trop baga cap gaspillé, fort pour la dimension là. La dimension de l'alliance. Troisième
bénédiction que la dîme beauté. Premièrement, nous dit bénédiction régulière. Deuxièmement, nous dit bénédiction abondante. Ou troisième bénédiction fort, net lui-même. La dîme, l'observer l'hypothèse bénédiction générationnelle. On nous dit générationnelle. Dis ça, il faut dire générationnelle. Dis générationnelle. Regardez Hébreux chapitre 7, le verset 7. Hébreux chapitre 7, le verset 7. On nous lit ensemble. Il dit, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Verset 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Qui ça la Bible a dit là? La Bible dit comme ça que jour Abraham t'es payé la dîme à Melchisédek là. Songez, l'œil t'es payé la dîme à Melchisédek là. Abraham potko gagné yon grain petite. Abraham potko gagné petite. Le présenter la dîme à Melchisédek, li potko gagné petite, li potko gagné l'enfant promis que l'Éternel te promet li a. Donc la Bible dit malgré le potko gagné petite, l'œil payé la dîme non, Abraham c'était papa Isaac. Isaac c'était papa Jacob. Jacob, c'était papa des 12 tribus. Parmi les 12 tribus, où t'es gain Lévi. Est-ce que ça va? Nous reprenons oui là. Nous dit Abraham, c'était papa Isaac. Isaac, c'était papa Jacob. Jacob, t'es papa les 12 tribus. Parmi les 12 tribus, où t'es gain Lévi. Donc, la Bible dit, jou monsieur tombé sous Melchisédek. Et puis, il baille Melchisédek, la dîme de tout. Et puis, Melchisédek bénil. La Bible dit, jou paye la dîme pour Melchisédek là. Isaac qui était en dedans que le pote qu'on fait, il paye la dîme pour Isaac. Et Jacob qui t'a pris une petite Isaac plus tard, il paye la dîme pour lui. Et 12 tribus qui t'a pris sorti dans Jacob là, inclus Lévi, il paye la dîme pour lui. Abraham c'était grand-père. C'était grand-grand-père Lévi. Mais la Bible dit qu'on ça, Lévi vit béni à cause de dîme que monsieur te paye. Ça veut dire, jour monsieur paye dîme à Melchisédek, Melchisédek bénil, qu'on bénédiction qui entrait sous lui. C'est pas seulement lui-même que bénédiction enjoigne. Bénédiction enjoigne Isaac, lui joigne Jacob et puis il joigne Lévi. Ça veut dire lorsque moi-même avec nous honorer bon Dieu avec dîme nous, c'est pas seulement nous-mêmes qui bénis. Petit nous bénis, petit nous bénis, petit nous bénis. Plus grand investissement ou qu'a fait dans la vie petit tout. Pi grand bien ou qu'a fait dans la vie petit tout, c'est honorer l'Éternel avec dîme. Gen moun qui fait college funds pour petit yo, pour yo ka voye petit yo non bon collège demain, c'est bien, c'est pas une mauvaise idée. Gen moun qui fait acheter caille pour petit yo, c'est pas une mauvaise idée. Gen moun qui fait économie sous petit yo, c'est pas une mauvaise idée. Mais qui t'aime tout quoi, sa plus grand trésor ou qu'a bay petit tout, c'est le ou honorer bon Dieu avec la dîme pour lui. Et puis pendant qu'on présente, honorer bon Dieu avec la dîme, ou dit Seigneur, moi m'en donne non seulement pour bénir petit moi, pour bénir petit moi, c'est pour me sortir, j'en t'a dit hier soir, c'est pour race moi, yon race béni, parce que nous avons servi au nom de Jésus. Lévi ça, attendez oui, Lévi ça, Abraham te bay la dîme pour lui. C'est Lévi qui bral ba nou Moïse. Parce que Moïse te sorti dans la tribu Lévi. Moïse qui bral fond la mer rouge, qui bral parler avec bon Dieu face à face, il sorti dans la tribu Lévi. Araon qui te
représenter qui t'a gagné chance pour l'entrer dans le tabernacle, c'est mon Dieu, sorti dans la tribu Lévi. Tout sacrificateur que t'a gagné, sorti dans la tribu Lévi. Jérémie, sorti dans la tribu Lévi. Ézéchiel, sorti dans la tribu Lévi. Et m'a dit une liste d'hommes de Dieu qui sorti dans la tribu ça. Le monsieur payé la dîme, lui payé pour toute génération yo, et toute qualité de bénédiction tombé sous tribu yo, en particulier Lévi, à cause de dîme ça que je t'ai présenté. L'œil et remarquez que Abraham te bay la dîme, il te bay un bagaille matériel. Mais bénédiction Lévi te joine nan son bénédiction spirituelle. Ah, suis-moi bien, oui, suis-moi bien là, suis-moi bien. Abraham te bay la dîme qui un bagaille matériel. Mais Lévi qui ça te joine, c'était le sacerdoce. Moïse qui est cité, il y a un prophète de l'Éternel qui t'est parlé avec l'Éternel face à face. Le lap sorti sous montagne là, visage lui tellement rayonné que personne ne va pas regarder. Ce qui semble faire comprendre, ça veut dire l'honneur honoré bon Dieu avec Dimou, ce n'est pas bénédiction matérielle seulement le côté. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église commence à m'en dire là? L'honneur honoré bon Dieu avec la Dimou, ce n'est pas bénédiction matérielle seulement le côté. Il déclenche bénédiction spirituelle. De toutes sortes. Yes. Jésus dit comme ça, yon moun ki pa fidèle avec maman, comment bon Dieu a fait confier de vraies richesses? Faut camper. Jésus dit, yon moun ki pa fidèle avec maman, ça veut dire l'argent matériel là, comment bon Dieu a fait confier de vraies richesses? Les vraies richesses sont les richesses spirituelles et éternelles. Et là, Jésus dit, yon nan jan bon Dieu a connaît, est-ce que le kabon veut gérer de vraies richesses? C'est est-ce qu'on a géré richesse matérielle? Ça veut dire, la dîme, ce n'est pas seulement un impact matériel que le fait. Sous Abraham, il te fait un impact matériel. Bon Dieu te balle toute qualité de terre. Depuis Irak, juste arrivé en Afrique, en Égypte. Ça, c'est aspect matériel. Mais tu as un aspect qui est beaucoup plus que ça. Donc je dis à nous encourager tout le monde pour rentrer dans la dimension de l'alliance. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dis la dimension de l'alliance. Dis-moi ça, Bifo, dis la dimension de l'alliance. Dis la dimension de l'alliance. Est-ce qu'on voulait bon Dieu bénir par miséricorde ou bien vous voulez le bénir par alliance? Est-ce qu'on voulait le bénir petit ou lignée familiale? Est-ce qu'on voulait le faire par miséricorde ou bien le faire par alliance? L'Éternel te fait alliance avec David. Il fait alliance avec David. Il dit à lui, David, puisqu'on fait qu'elle est content, je dis à me faire alliance avec eux. Il dit, même le petit tout à fait rébellion contre moi, m'a calé, mais grâce moi. Pas que doit jamais sortir sous. Parce que ça alliance moins grave. Leur entrée dans la dimension de l'alliance. Sur l'autre dimension. J'aime te dire dans le deuxième service là. Tabernacle de gloire, pas qu'à béni. Si ou même ou pas béni. Est-ce que vous d'accord avec? Pour tabernacle de gloire béni, faut ou même ou béni. Pour même ou béni, il faut montrer qui ça pour faire pour béni. Est-ce que vous d'accord avec ça, madame? Pour béni, il faut montrer ça pour faire pour béni. Il faut montrer les principes bibliques pour béni. C'est ça que fait matin, là, ma challenge tout le monde qui l'a. Sous pourquoi commencer à fonctionner dans la dimension alliance, ma pas courage pour fonctionner là-dedans. Je vais prier, mais avant de prier. Je vais demander aux choses pour venir apporter l'enveloppe pour moi prier. Et puis, je vais passer chaque monde qui l'a. Chaque monde qui l'a. Prends une enveloppe de dîme. Que vous travaillez, que vous travaillez. Prends une enveloppe de dîme. Dîme, ce n'est pas une question de travail, c'est une question de revenu. Et c'est une question de foi. Chaque monde prend une enveloppe de dîme. Monde qui a tout capable. Ou bien deviner avec Dimou, ou bien tout capable de présenter Dimou matin. Moun qui pas de gain habitude présenter Dimou, etc.
ou pas connaît que 10% pas pour ça veut dire ou tu fais budget sous tout 100%. Mais matin on va apprendre que c'est pas tout 100% pour vous, c'est 90 qui pour. Ça veut dire qu'il y a monde qui va besoin réajuster budget là pour y faire sous 90. Et moi aller même plus loin avec ou pas même doit faire sous 90 parce qu'on t'a dû c'est qu'on l'autre 10% qui t'a dû aller dans saving. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là hein? Un chrétien supposé vivre sous 80% de salaire. 10% à l'éternel, 10% économie pour demain et 80% pour différentes dépenses ou gain pour faire. Donc matin peut-être qu'il y a monde qui a besoin réajuster, monde qui a présenté dit mieux à tout présenter matin. Monde qui beaucoup fait ça ou a réajuster jeudi à 17 m'a bail tout monde qui là jusqu'à n'a pas jusqu'à 14 avril, le premier dimanche, le dimanche matin que nous allons commencer Easter. Nous t'arrêmer avant Easter commencer, 7 nuits de combat que nous allons faire, avant de rentrer dans 7 nuits de combat, pour qu'on mette en ordre avec l'Éternel, pour l'Éternel craser tête celui qui dévore pour vous. Est-ce qu'on est d'accord avec là hein? Est-ce qu'on est d'accord? Avant d'entrer dans 7 nuits de combat, nous t'arrêmer tout le monde régulariser avec l'Éternel dans le domaine de la dîme. Et puis pour l'Éternel craser tête celui qui dévore pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth, ushers, come. Let me pray over this. Et puis nous allons passer enveloppe. Yo. Pour moun kap gade m, kap tande m à travers radio, ou bien kap gade m dans télévision. Si ou appartenir à yon l'église, dis-moi, supposé à l'église locale, l'église côté ou aller, l'église côté ou adoré le dimanche, c'est la dis-moi supposé aller. Pas Radio Shekina. Par contre, ou ka toujours présenté yon offrande à Radio Shekina. Ou ka pa bon santenye à Radio Shekina, pas de problème. Mais dis-moi à l'église. Excepté si ou non zone, côté ou pas à l'église, pour raison pour l'autre, ou pas gen l'église près, ou bien en période de transition, ou pas gen l'église, c'est tabernacle de gloire que ou connecté avec elle, c'est avec ministère ça qu'on suit, c'est là où béni régulièrement. Et bien à ce moment ou capable de présenter dimoun en radio télé Shekina ou capable relé ou capable bail par application si ou pas dans l'église locale que ou connecté avec. Ceci étant dit, on prie tout le monde longer maintenant dans direction ça. Ça. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, même pour tes enveloppes ça devant qui sanctifie à vous-même. Nous demandons pardon pour chaque fois que nous te prend. Dis pour chaque fois que nous t'ai manqué discipline dans domaine ça, nous m'adou à partir d'aujourd'hui fais-nous plus discipliner dans domaine ça, fais-nous respecter. Nous pas de connaître Seigneur toute qualité de bénédiction que nous raté. Bénédiction régulière, bénédiction abondante, bénédiction générationnelle. Nous pas qu'à passer outre toute bénédiction ça. Donc aidez-nous pour nos fidèles. Nous disons au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Passez en bas, chaque monde prend une enveloppe. Au nom de Jésus, prend une enveloppe dîme au nom de Jésus de Nazareth. Chaque monde prend une enveloppe dîme au nom de Jésus. Alléluia. Donc ou même qui peut vous présenter, dîme ou après chance pour présenter dîme au Kounia à l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Dîme, c'est 10% de revenus, 10% de salaire, 10% de sort touché. Donc, ou même qu'il a, à partir d'aujourd'hui, on a commencé ça. À partir d'aujourd'hui, on a commencé ça. Monde qui a préparé pour raison pour l'autre jeudi, si c'est semaine prochaine, ou a touché ou bien revenu semaine prochaine. Mais avant le 14 avril, que tout le monde, de jeudi à 14 avril, pour tout le monde, régulariser avec l'Éternel des armées au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça pour m'baille l'Éternel pour tout bien faire envers moi. M'a pleuvé coupe délivrance moi dans présence tout peuple yo. Ça pour m'baille l'Éternel pour tout bien faire envers moi. Alléluia. Ça pour m'baille l'Éternel. L'Éternel. Pour tout bien faire pour tout bien.
Ça pour m'bail, pour m'bail, bail l'éternel. Pour tout bien faire l'yo. Tu m'as pleuvé. Délivrance, la présence tout peuple yo, tout peuple yo, ça pour bail l'éternel, pour bail l'éternel, pour tout bien fait yo. Pendant que on prend enveloppe dis-moi par la foi, me voulais faire yon prière, me t'ai prier ça, me voulais faire prière pour finance ou, me voulais faire prière pour yon déblocage dans domaine financier. Pendant que ou même on obéit l'Éternel dans domaine dis-moi au nom de Jésus, nous vraiment demander bon Dieu pour le débloquer tout ça bloqué au domaine financier au nom de Jésus. Donc tout le monde prend enveloppe ou là au nom de Jésus, présentez dis-moi ou dis-moi à l'Éternel, sous pourquoi j'aime faire ça, peut-être grand pile dans nous c'est pour la première fois n'a fait ça, m'encourage l'Éternel dit comme ça. Mettez-moi à l'épreuve de cette façon. Tout le monde qui l'a fait ça, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous allons prier sous enveloppe, yo, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant tout le mois, ça, nous allons prier sous enveloppe d'Imsayo. Pendant tout le mois, ça, nous allons prier sous enveloppe d'Imsayo. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour bon Dieu, agis en ta faveur. Au nom de Jésus. Ou même qui l'a caillou. Mais comment on est capable de faire ça? Allez dans l'application Shekina. On est capable de cliquer bouton cœur. Et puis présenter à l'Éternel. Cliquez sur bouton cœur. Et puis présenter à l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Cliquez sur bouton cœur. Ou même qui sur YouTube. Allez en bas page. Là, on va prendre un lien. Cliquez sur lui. Et puis présenter dis-moi à l'Éternel au nom de Jésus. Si vous n'avez pas église pour connecter avec lui. Alléluia. Ou bien ou si vous sont membres, tabernacle de gloire cap. Gardez-nous de yon. Alléluia. Ou bien si on a campus, présentez-vous dans le campus. Ou. Au nom de Jésus de Nazareth. Sous Facebook, ou après un bouton bleu, ou qu'à utiliser le poubaille. Sous page, application Shekina. Sous la page website, nous, ou qu'à cliquer le bouton rouge qui marque donner là. Et faire ça à l'Éternel. Si vous voulez relayer par téléphone, numéro A, c'est 786-505-1580. 786-505-1580. Pas de ma parler à là. Tout le monde remplit information pour dire. Au nom de Jésus de Nazareth, mon qui avec l'échec écrit à l'ordre de tabernacle de gloire, Tabernacle of Glory, that Inc. Au nom de Jésus de Nazareth, fais ça, quel que soit côtoyé. Au nom de Jésus, et puis m'bral prier pour bon Dieu ouvrir toute qualité de porte, pour le voyer bénédiction régulière, pour le voyer bénédiction abondante, pour le voyer bénédiction générationnelle. Au nom de Jésus de Nazareth, une fois de plus, ça pour bâle l'Éternel, pour tout bien faire lieu envers moi. Alléluia, ça pour bâle. Bumba, by l'Éternel, pour tout bien faire l'yo, pour tout bien faire l'yo envers moi. Ça bumba, bumba, l'Éternel, pour tout bien faire l'yo. Délivrance-moi. Délivrance-moi. La présence tout peuple yo. Tout peuple yo. Sa bumba. Bumba. By l'Éternel. Ou même qui la caillou continue avec les 786. 505-1580. 786. 505-1580. Alléluia. Sous YouTube. Allez en bas page là. Pour lever un blanc pour ça, pour bal. Pour bal. Bal l'Éternel. Pour tout bien faire l'yo. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth, nous bénis. Alléluia. Dim pititou. Nous bénis dim. L'église. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi, m'a donc béni tout ça, yo touché. Moi, m'a donc béni tout ça. Il a fait pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Moi, maintenant, au nom de Jésus, chassez celui qui dévore.
chasser celui qui dévore tout ça qui a dévoré caillou, tout ça qui a dévoré petit, tout ça qui a dévoré l'argent. Au nom de Jésus, nous déclarons, il perd du bataille devant vous. Nous déclarons bénédiction en abondance. Nous déclarons bénédiction persistante. Nous déclarons bénédiction régulière et générationnelle pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu m'as pleuré. À présent, tout peuple, sa poubelle, par l'éternel, pour tout bien faire, yo. Yo. Alléluia. Déclarer bénédiction en abondance. Mon cap recevoir, dit recevoir. Déclarer bénédiction en abondance. Déclarer bénédiction régulière. Déclarer bénédiction générationnelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous capable passer enveloppe, dit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, mon qui a présenté, dit aujourd'hui, a passé enveloppe, dit mon qui pas présenté, dit aujourd'hui, a kembe enveloppe, ça n'a même. Et puis dimanche prochain, pour venir avec Dimou, ou bien le dimanche d'après, pour venir avec Dimou, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Parents qui là, nous encourager. Depuis qu'on y a montré Timoun, petit tout comment pour le présenter Dimli à l'Éternel. C'est quelque chose de générationnel. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui nous connaît, qui t'a appelé présenter Dimou. Mais pour une raison, pour l'autre, ou peut-être qu'on manque de discipline, oublié, ou font l'autre bagage. Donc, si tu as nous aider pour capable mettre 10 mots sous automatic payment, cela veut dire paiement automatique. Soit vous mettez debit card ou bien par ACH, al sous table qui devant, et puis il y a bon plus d'instructions. Si tu as fait ça automatique, gen moun, depuis qu'on la rentre dans la main, li passe. Donc, vaut mieux que 10 mots quand tu as retiré avant même. Que quoi ou bien chèque ou entraînement. Donc, il y a moyen qui est capable de faire ça. Donc, passer par devant, eh bien, dans la BIA, il y a montré comment ou capable de faire ça. Soit ou capable de faire sur le site internet, nous, ou bien, ou même ou capable de faire arrangement. Donc, il est capable de montrer comment pour le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Combien de monde qui est content? Levez mes mains et dis gloire. Dis gloire. Dis gloire. Nous voulons recevoir tout le monde qui a visité nous pour la première ou bien la deuxième fois. Si c'est la première ou bien la deuxième fois, on a tabernacle de gloire. Font camper pour nous capables de souhaiter la très bienvenue parmi nous. Une première ou bien deuxième fois. Font camper, bah, l'Éternel, un bel applaudissement pour toutes les amis qui ont visité. Levez main, on les dit gloire. On nous bénit, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. On nous bénit toutes les amis. Seigneur, pendant que nous avons parlé de bénédiction matin, au nom de Jésus, nous m'en bénir de manière consistant, bénis au Seigneur au nom de manière régulière, bénis au Seigneur au nom de Jésus, de manière générationnelle, bénis au Seigneur en abondance pour la gloire de ton nom ou tellement important pour nous que nous préparer une salle de réception rien que pour vous-même. Maman, donc s'il vous plaît, suivez nous dans Ushers You parce que nous t'aimons qu'on ait mieux et puis recevoir comme petit roi que c'est ça où y est. Nous t'aimons recevoir royalement un petit roi. Donc suivez nous dans Ushers You et nous capables mais on a une salle de réception ça qui préparé pour même pas l'Éternel un bel applaudissement pendant qu'il a avancé. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rappeler que à Soya nous pas gagné service. Donc ça c'est dernier service nous pour journée et puis rester en prière au nom de Jésus. Honorer bon Dieu avec dimou faire les changements que ou besoin au nom de Jésus pour ça capable en réalité. Maintenant que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu garde vos cœurs et vos pensées dès cet après-midi pour toute l'éternité. Cherchez trois mounes par la main, dit monter dans la dimension alliance. Montrez dans la dimension alliance. Montez dans la dimension alliance.